Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du donjon du maître du donjon de Nullbuck. Si on n'a toujours pas fini le donjon de Nullbuck, faudrait peut-être d'ailleurs que je m'y remette de manière acharnée. Mais il faut que je trouve le temps de m'acharner pendant plusieurs heures dessus. J'ai des gars qui sont là. Ah du coup ils tabassent tous les mages. Trop fun. Tous mes magiciens sont morts. Merde. Ça c'est bien dommage, hein. Ça c'est vraiment le truc. Euh... 29 bières assassinées, dont des magiciens. Et le problème c'est que les magiciens c'est pas comme les gardes. Il faut que je les reprenne à la main, individuellement. Ah c'est relou ça. Du moustachu, il nous en reste combien? Un sorcier. Ah bon, on est bien. Un sorcier. C'est un peu léger. Bon, prendons un paquet. On verra bien ce qui survivra là-dedans. Okay. Bon, on a survécu au raid, c'est le côté positif de la chose. Retour d'expérience de la dernière incursion. Les niveaux de puissance des aventuriers s'approchent dangereusement de la zone rouge. Action correctrice à envisager. Repos. C'est une vengeance de la caisse des donjons, maître, à cause du mage consultant que vous avez engagé. Eh bien, qu'avez-vous à dire, Midrantir? Rien du tout. Il se trouve justement que ma prestation touche à sa fin. Vous avez atteint le solde terminal des possibilités de facturation via la caisse des donjons, et votre structure est bien trop pauvre pour continuer à payer mes services. Au revoir. Quoi? Mais vous ne pouvez pas nous quitter maintenant. Il reste beaucoup à faire pour les questions magiques. Et vous disiez que vous m'aideriez sur la sphère d'invincibilité. Escroc! Ne soyez pas inquiet, je vais rester dans la région. Les aménagements de votre taverne sont intéressants. Je vois du potentiel dans l'évolution de cette entreprise. Je passerai à l'occasion. Au revoir. Je vous avais prévenu. L'emploi de ce genre de personnes... Ah, en dehors de donner des leçons, je me demande un peu à quoi sert la caisse des donjons, misérable ramassis de scribouillards sans cervelle. Maître, ce n'est pas le moment de perdre votre calme. Allez donc faire des recherches pendant que nous gérons ces questions administratives. Excusez-le, il a eu une journée difficile. Toute la décade même. Nous allons procéder à un nouvel examen de votre situation au regard du manque à gagner subi par la caisse du fait des frais induits par le consultant. Cela va entraîner, je le crains, quelques difficultés pour vous. Fini la période de grâce. Quoi? Parce que vous trouvez que ça a été facile jusqu'à maintenant? J'ai fait preuve d'une grande tolérance envers certaines approximations. Mais l'heure est venue d'appliquer le règlement de la CDD dans toute sa sévérité. À plus tard. Bon, je sais pas si c'est moi qui suis bourré ou quoi, mais j'ai compris tout ce qu'elle dit. Mais t'as vu qu'on est dans la terrine? On pourrait imaginer un regrettable accident. Les escaliers sont si... glissants. Affirmatif. Protocole de mise en sécurité du donjon. Vous êtes malade. S'en prendre à un agent de la caisse, c'est la mort assurée. Alors quoi? On se laisse manipuler par une grappe papier? J'ai horreur du sadisme des bureaucrates, c'est... froid, sans âme et sans charme. Je pense que nous en savons assez pour voler de nos propres ailes. Le donjon de Nullbuck n'a pas dit son dernier mot. Ah bah on a gagné la campagne. Bon bah voilà. Ah bah c'était bien. Vous êtes terminé la game, à présent vous avez le choix entre continuer votre partie ou compléter les objectifs de victoire ou démarrer une nouvelle partie. Je les ai pas tous eus, hein, les objectifs de victoire sur une partie perso. Sur un donjon libre que je me suis fait de mon côté. Ça pourrait être intéressant de les pousser. Alors déjà ce que j'aimerais c'est sécuriser cette étage s'il vous plaît. Non, ça c'est pourri comme piège. Mettons un vrai piège. Mettons un vrai piège. Voilà. Putain, il y en a de la porte, hein. Ils veulent qu'ils rentrent, hein. Ça veut rentrer, hein. Cool. Fais-moi ça. Bon, il y a cette porte là, c'est réglé. Ok. Pose de piège déjà. Ça règle toujours des soucis. Enchante-le. On peut pas l'enchanter, nécessite d'associer un grimoire de feu à un sorcier. Ah oui, c'est vrai qu'on a des. On a eu des petites. On a eu des petites pertes.
quoi ça, c'est c'est quoi ce truc? C'est un... un manuel de maladie, c'est pour les nécromanciens. J'ai plus de nécromanciens, je me suis fait buter mes nécrons. Et les traités pour les pharmagiciens. Et bah écoute, tant pis, on va glisser un traité à la place. Normalement j'ai plus de pharmagiciens non plus. Ah, je me suis fait liquider tout le monde. Il n'y a plus de pharmagiciens, il n'y a plus rien. Orloff au rapport, nos troupes sont revenues du temple de Brave avec leurs précieuses reliques. Succès complet. Leur réputation est ruinée. Il faut les voir pleurnicher sur les routes pendant que les gens leur jettent des pierres. Et c'est très satisfaisant en effet de voir ces sadiques massacreurs de gobelins innocents se retrouver le nez dans la fange. Humilier le clergé de Brave est une bonne chose, mais je ne vous paye pas pour vous distraire. Cette opération sera financée sur vos congés payés. Mais maître, c'est vous qui... Nous... Pourquoi? Parce que je suis le méchant de cette histoire, Revax. Si tu trouves ce... Oh, j'ai cliqué de stress. Bref, on a tabassé des gentils, vous l'aurez compris. Donc il va aller se faire fouetter. Règle standard. Des artisans, des banquiers, elfes, barbares, trolls, vampires. J'ai pas, mec. Artisans. Banquiers. Valide. Je vais envoyer des bozos le clown. Hein. Voilà. Elf, barbare. Oh. Alors, barbare. Elfe noir, normalement ça compte. Il y a quoi d'autre? Troll, vampire. Bon bah, troll, vampire. Mais vampire, j'ai pas. Bon, on rajoute elfe noir. Troll, niveau 9. J'ai. Elf, niveau 8, ça rentre. Et un elfe noir de niveau 7, c'est parfait. C'est validé. C'est validé, ça part. C'est quoi ça? C'est des missions de type renseignement? Non, c'est une mission à du pognon avec des gardes. Alors ça, est-ce que c'est pas les meilleurs? À moi la garde. Et un garde qui a pas trop de niveau. Attends, si je t'enlève, est-ce que je peux pas faire ça? Voilà. Bon, il y a des chances de mourir, mais il y a des chances de prendre des niveaux. On apprécie aussi. Normalement, j'ai doté mon magicien de son livre de feu. Excellent. Hop. Hop. Ah, mais il y a encore des dialogues et des trucs. Hein. Non, ça rigole pas. Hein. Hey Vax, qu'est-ce que c'est que ce courrier ridicule? Mon bon maître, la PDF vous a élu à son conseil d'administration. Vous vous étiez porté candidat. Oh, incroyable! Quelle bande d'imbéciles! Je vais de ce pas leur répondre pour refuser et les insulter. Mais pourquoi? C'est un ramassis d'incompétents orgueilleux. J'avais fait acte de candidature pour qu'ils refusent et que j'ai un bon prétexte pour les agresser. Oups, la boulette. On va faire profil bas sur ce coup. Qu'à cela ne tienne, je vais leur écrire pour leur expliquer que je refuse de faire partie d'un conseil d'administration qui accepte les candidatures des gens manifestement très supérieurs à eux. Je suis sans voix. On a un Goldbark qui est pas content. Alors, à savoir que la seule victoire, je crois, qui me manque à ce jour. Oh, un hamster. Oh, ça, un hamster. Ça, un hamster. Vous voulez un hamster? Pas ici. Pas ici, là. Chez Xandar. Et je l'ai rangé où, Xandar? Étage 4, je crois. Étage 4. Et là, tout à coup, un hamster. Là, il se passe un truc. On peut pas nier qu'il se passe pas un truc. J'ai mis un hamster, quoi. Il se passe des trucs. On n'est pas au max ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est intolérable. Ah oui, oui, d'accord. C'est parce qu'il y a eu de récentes modifications à ce que je vois. Ils n'ont pas été pris stratégiquement en compte. On passe ça comme ça, on s'en fiche, hein. Aucune importance. Boum, comme ça, on s'en fout, ça n'a absolument aucune importance. Alors, on pourrait tenter de bien ranger les choses, mais on s'en fout parce que ça n'a absolument aucune importance. Putain, bah, il a fini de gueuler en boucle, c'est insup, hein. Ouais, ça me paraît bien, hein. On a de la nouvelle mule. Ah, mais vraiment, hein, il ne lâche rien, le gars. Voilà.
J'ai de nouvelles gnolles, profitez. Hein. J'ai même des. Hamster Company, profitez. Alors, taverne à l'abandon, quoi. Normalement, ça devrait pousser un peu, ça. Vas-y, construis-moi ça. Ok. Toujours pas au max, hein. Mais j'ai la solution, vous inquiétez pas. Voilà. Là, ça va thermofusionner ensemble. Impeccable. Alors, si, avant de rajouter des comptoirs n'importe quand, parce qu'en vrai, je rajoute des comptoirs, mais. La file est parfaitement gérée, donc y a pas de souci. On va donc juste rajouter de la picole. C'était quoi le gros tonneau à pommes là? Celui-là hein. 15 boules de tonneau, 18 boules, 24 boules. 24 boules. Ah, ça rentre pas ici. Ça rentre pas ici, ça rentre là. 18 boules. De la pierre à 18 balles où je remballe. Bande de tocards. Voilà. Ça c'est bien. Est-ce qu'on peut glisser des trucs genre ça? Ça, ça va faire venir plus de clients. Plus de clients. Voilà. Excellent. Normalement avec ça je casse la baraque. Et si ça va pas, je rajoute un tapis ou deux. On va voir. Avec un tapis ou deux. Ça change tout. Ah, il en faut pas parce qu'on est en train de se friter, c'est ça? On est gros assos hein, quand même. Vous avez assemblé les trucs, oui ou mince? Peut-être un jour ce sera construit. Ou peut-être c'est complètement buggé. C'est possible. Tac. Ok. Gagner des décos d'intérieur. Je suis trop content. Hein. C'est quoi la déco d'intérieur du moment? Un pilier du plus bel effet. C'était tout. Ah oui, 20 000 balles par contre. Hein. C'était long, c'était dur, mais ça a payé. Hein. On peut me finir cette voilà cette taverne s'il vous plaît, juste pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de triple avis d'or. Ah, c'est moisi. Ah, les moisis du cul, notre taverne. Attendez, je vais lui en mettre un petit coup de frein en plus. Alors, je suis sûr que déjà on peut rajouter un hamster ou deux pour faire plaisir aux clients. Qui n'a pas envie d'un petit hamster ou deux en plus quoi. Voilà. Des petits hamsters quoi. Ah oui, effectivement, il y a une place ici. Ah ici, il y a une place, maintenant on peut y ranger une table. Je suis sûr qu'on peut y ranger une table. Voilà, une bonne table pour le client. Il adore. Et plus, vous savez ce qu'il aime en plus le client? La vinasse. C'est notre meilleure vinasse, hein. Je crois qu'on n'a pas mieux. Hein. Voilà, ce qu'il aime le client, c'est la bonne grosse vinasse qui tâche. Du coup, on lui met de la bonne grosse vinasse qui tâche. Et là, le succès est complet. Et il reste même une place ici, du coup. Il reste même des places ici. On peut augmenter notre nombre de clients. Encore. On va pas se gêner. Hein. En plus, à première vue, ça fait chier le Gold Bar Glock. Du coup, c'est parfait. Qui n'a pas envie de faire chier le Gold Bar Glock? Plus de Vinas. Innominé Vinassi. Vinas. Vinassi, excusez-moi. C'est tout ce qui compte. Un Vinas à 9 balles. Un Vinas à 12 balles. Voilà. Un petit 20-100, il n'y a pas mieux là. Là, ça devrait pousser en termes de clients. Là. Voilà. Je
contre, vraiment, le Goldbark, ça m'insupporte. Il y a un nouveau truc dans la salle des gardes. La vraie salle de garde, elle est où déjà? Est-ce que j'ai une vraie salle de garde? Oui, elle est là. Et il y a un nouveau truc pour vous. Ah, excellent. Le portrait du boss qui te juge pendant que tu travailles. Et qui donc t'oblige à constamment être sur tes gardes. Pardon ? Je suis pas très fan de ce dortoir. Et le problème c'est que les mages risquent de ne pas l'apprécier du tout. Au long terme. Il faut d'ailleurs que je gère cette bibliothèque. Est-ce qu'on peut rentrer d'autres trucs comme ça? Non, c'est merde. Cette bibliothèque est trop petite en fait. Si je peux rentrer un truc de bouquin ou deux en plus, quoi, c'est pas. C'est pas fou quoi. C'est pas fou, je peux pas rentrer beaucoup plus de choses. Et il faut que je garde de la place en plus pour ces trois trucs, oui c'est ça. Donc en plus je peux rien mettre là, laisse tomber. Et donc si je peux rien mettre là, faudrait que j'agrandisse encore cet endroit. Oui, je garde. Je vais rien changer, donc vas-y. Je peux sauvegarder. Je me suis fait fumer tous mes mages, 100%, on avait vu. Des sorciers, m'en reste 8. On va s'en reprendre un petit stock. On va s'en monter à 15. On va se remettre un phare magicien ou deux, un cultiste ou deux, voilà, pour le fun. On va se ramener un vampire à la maison ou deux pour le fun. Et puis deux autres nécros, voilà. Voilà. On fabriquera un peu de matière première, au pire je la vendrai, ça sera très bien. Arme, on est au max. Ça me permet de recruter des gardes de niveau 6, ça c'est une dinguerie. Mais la, les armes en ce moment ça vaut rien. Et on vend tout de toute façon, donc on s'en cogne. La magie en stock, je suis pas trop sûr que ça m'intéresse beaucoup. On vend 700. Ça fera toujours un peu de pognon. Les outils, on vend tout, mais on n'a plus rien. Donc vendons uniquement la moitié. Ça, on est quasiment au max. Je m'en sers pas. Vend des cadavres. Les infos. Les infos, on s'en sert normalement. Pas stock. Red. Voilà, là il y a encore des trucs à looter. Un baril de sang commun. Ah bah ça veut dire qu'il nous manque même des artisans, banquiers, trolls. Oh, fatigue un peu, hein. Artisans. Ça, tout ça c'était les nains niveau 10. Oh là là. Vas-y. Artisans et banquiers. Du bas niveau, s'il vous plaît. Voilà. Elf et troll. Elf. Et. Des bas niveaux s'il vous plaît. Voilà. Parfait. On voit. On n'est pas allé faire un petit tour au marché depuis longtemps pour vider ce qui s'y trouve. Oh parfait, on a trouvé un vrai aménagement. On a trouvé un vrai aménagement de la salle de pause. La salle de pause. Salle de pause, elle est là. On a un vrai aménagement de salle de pause. Aménagement spécifique. Réservé au zen. C'est important le zen. J'ai mis un poulet mais j'ai pas mis un petit comme ça. Allez, j'en mets un petit. Zandarounet. Les autres trucs, je crois qu'on s'en fout. Ouais, c'est ça, ça on s'en fiche. Ah, des tapis. Un grand tapis, un tapis géant. Je vous le mets. C'est mon cadeau. C'est vraiment parce que tu ne peux pas chez vous, on dit. Ça détruit un peu. Quoi. L'autre il en peut plus de gueuler tout le temps. Un sbire a déclenché un piège. Ah ouais, c'est vrai qu'ici c'est un enfer tout particulier. Ah c'est ça qui me suicide mes balayeurs de mémoire. J'en ai plus aucun. On va prendre notre police.
faut que je vende tout ça. Ça sert à rien de les garder. En fait, servez, regardez. En fait, le problème du jeu, c'est que il vous déclenche tous les pièges sur vos sbires. Et que ça, ça avait l'air d'être du génie ce que je faisais, mais en fait. Vends-moi tout ça, vends tout. Voilà. Je pensais être une idée de génie, et malheureusement, une idée de con. Vendez tout. Vendez-le aussi, j'ai tout. Je vais reposer des choses, inquiétez pas. Alors, dans cette zone là, j'ai envie de mettre deux pièges. J'ai envie de te mettre toi comme ça, et c'est déjà très bien. Voilà. Enchantement de type foudre. Allez, ça me fait plaisir. Enchantement de type feu. Il doit exister un... Je sens qu'il doit exister un succès pour mettre tous les types de trucs là, mais enfin, j'ai pas ce qu'il faut. Il y a quoi d'autre? On l'avait vu ton tapis. Il y a... Ah, y a une fontaine aussi. Oh, une très jolie fontaine. Oh, oh, je vais la mettre ici, comme ça j'oblige les gens à marcher dans les pièges. Je vais la mettre là. Très jolie fontaine. Très beau. Très beau, très bien. Ah tiens d'ailleurs. On doit avoir de quoi mettre des loot éclatés en plus. Et bien sûr, j'ai oublié le raptor pullet qui se met juste ici, qui oblige les gens à marcher dans les pièges. Ça, c'est du génie. Voilà, j'ai rien d'autre à vous vendre. Normalement, on est bon. Je dois avoir des conneries. Oh, waouh! Oui. C'est bien ça. J'empêche d'avoir des mecs supérieurs au niveau 1. Sans effet. Ah oui, on peut remettre des grimoires du fisc de machin. On augmente les dégâts infligés par les pharmagiciens, les nécromanciens et tout. Ah ouais. Ah oui, donc ça a quand même une utilité. Vas-y, je vais utiliser un manuel des ours. Voilà. Voilà. Ou alors je mets des vraies reliques ici. Et je mets les trucs vraiment des magiciens qui me servent à rien par là. Là. Ah, oh, j'ai fumé un groupe. Attends, j'avais pas fait gaffe. Si je veux mettre les reliques ici, il faut que je puisse les protéger aussi. C'est pas forcément gagné. En sachant qu'il faut que je B2 expande cette bibliothèque. Parce qu'elle est pas assez grande. Pas assez grande. Je crois qu'il y a une histoire comme ça de elle est pas assez grande. Là, il n'y a pas de magicien associé. Mais j'ai plus de magot. J'avais plus rien, c'est vrai. Tout le monde était mort. Mort, mort, mort. Tout le monde s'était fait fumax. Bon, normalement, j'ai repris une armée de balayeurs. J'espère qu'il en reste encore un ou deux en vie. Ce qui n'est pas garanti, bien sûr. Combien ? 10, c'est bon, il m'en reste 10 de vivants. Des cuisiniers. Putain, des cuisiniers, ils tombent. 3 cuisiniers elfes. Remets-moi en 2. Cuisinier orc, j'en ai 5. Ok. 4 ingés gobelins. Ah non, mais on peut pas bosser avec ça. Ramène-moi 10 ingés gobelins au moins. J'ai 15 nains. J'ai pas 15 gobelins. Infernal. Des espions, il m'en reste encore quelques-uns de vivants. Et des sorciers, j'en ai 14. Ah oui, j'en ai recruté. Ça veut dire qu'on pourrait générer beaucoup de magie si on se mettait à bosser. Je vais tirer cette salle de manière un peu moche. Alors là, c'est une incursion. Oui. Bon, ils ont l'air d'être contents les magiciens.
Strongbar, il a l'air d'être heureux. Je sais plus, il faut invoquer des démons pour le calmer, c'est ça? S'il y a que ça, je t'attrape un balayeur de niveau 1. Non. Le Goldberg en carnage. Ah oui, je peux rien faire tranquille en carnage. Suicide un truc. J'en ai rien à foutre. C'est bon, tranquille quoi. Oh, on pourrait faire des super attaques. Zandar Airline, c'est ça? Voilà. Bon, victoire de Zandar, le sorcier avoir 13 lanceurs de sorts de grade 10. C'est-à-dire que tous mes lanceurs de sorts soient grade 10 là? C'est une obligation ça? Mais ils s'entraînent au moins? Ou il faut que je les envoie en mission, ces blaireaux? Genre des trucs faciles, genre je vous envoie là-dessus. File-moi des magiciens, je vais les faire monter 10 niveaux. Hein. Ils sont où ces cons là? 1, 2, 3, 4, 5. On est mal si j'envoie pas de garde. Ok, je vais envoyer du garde. Du garde. Pas ça. Elf et troll. Voilà. Un niveau 10 et un niveau 10 et ça le fait très bien. Voilà. Bon bah on va les entraîner. Hein. Du domestique et du cuisinier. Très bien. Bon, on va envoyer. On va commencer par mettre un paquet de débiles. 1, 2, 3 débiles. Et après on a dit quoi on a dit quoi? Domestique et cuisinier. Un cuisinier. Et un domestique de haut niveau. J'espère qu'on en a encore un. Si ça fera la fin. Il me reste encore quelques magus débiles. Garde, sorcier, n'importe quoi. Ah, tout type de magicien. Ah, magiciens en tout genre. Enfin, magicien et tout là. Oui. Hop, nécro-vampire, très bien. Du niveau 4. Du niveau 3. Nécromancien génie. J'ai pas mis de culti, je peux mettre un cultiste. Ça le fera monter de niveau. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Très belle mission. Artisan, banquier, elf. 1, 2, 3 moustachus. Vraiment le mec. Le mec fait bosser ses moustachus. Ouais, vas-y, je vais mettre un banquier de niveau 10 si on a ça. Ah, on n'a pas. Ça sera 80% de chance de réussir ou d'échouer, tant pis. Là, j'ai du facile, garde espion. Allez. Des moustachus. Il m'en reste un. Fous-moi un moustachu. Et montre-moi tous les autres mages d'ailleurs, tant qu'on y est. Hop là. Puis garde et espion, tout désectionné, tu mets espion et garde. Tu m'envoies un garde et tu m'envoies un espion, ce sera très bien. 98% de chance, c'est très bien. 98% c'est 100%, c'est bien connu. Voilà. Il y a une faction qu'on n'a jamais découverte. Hein. On n'a jamais découverte la dernière faction. Il y, y a des gens dans la queue. Attendez, j'ai peut-être la solution. Faut peut-être gagner un peu de place. Ouais, on a déjà des toilettes à l'étage supérieur. Je pense qu'on peut vendre ces toilettes là. On peut gratter quelques centimètres d'auberge supplémentaire. Trop de clients. Rajoute des murs. On peut tirer des dingueries. Ah oui, non mais attends, l'objectif c'était de garder un peu de place pour... ça rentrera pas les gars. Pour que ça rentre, faut que toi tu bouges déjà. C'est par ça. Ouf.
moins gros ça passe. Ok. Table luxueuse de taverne. Wow. Wow. Ça se permet tout. Oh, j'ai une nouvelle picole. Moi aussi j'ai une nouvelle picole. On va se la coller. Ici, on va se mettre comme ça. Non, parce que je crois pas que je peux mettre de. Je peux en mettre ici. Ouais, glisser là. Et ouais, ce tonneau nous gêne là. Cette barrique nous gêne. Cette barrique peut pas être repositionnée dans l'autre sens. Cette barrique peut être repositionnée dans l'autre sens. On peut peut-être se glisser maintenant une petite table luxueuse ou deux. Ça sera une. Ce sera une. Du coup, j'ai même pas regardé ce que j'ai gagné. C'était quoi ? Ça, c'était 18 balles. 18 balles. C'est ça que j'ai gagné. Tourner partout. Vas-y, mets-en de manière à ce que ça déborde abondamment. N'hésite pas. Faut que ça déborde de clients, il n'y a pas de problème. Ces portes. Supprime cette porte. Supprime celle-là. Ah, celle-là, je vais pas pouvoir la supprimer tant que j'ai pas agrandi ici. Ok. Je pense qu'il faut agrandir les cuisines. Je pense que c'est urgent. Agrandissement de la cuisine. De toute façon, tous les chefs ne peuvent pas travailler en même temps. C'est un scandale, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop problématique. Ah oui, non, c'est parce qu'il faut une porte. Voici une porte. Ça me fait plaisir. Il faut une porte. Je pense que c'est suffisant. Ouais. Attends, je peux même tirer un peu. En disant que t'iras jusque là. Non, t'iras pas jusque là en vrai. En vrai, on peut supprimer juste ce poulet. On peut pas. D'esprit, vous laissez plus à rien. Voilà, parfait. La cuisine, donc, qui peut être aménagée pour accueillir plus de cuisiniers, bien sûr. On peut le garder comme ça, parfait. Tiens, ça comme ça, c'est très bien, très joli. Voilà, une légion de cuisiniers supplémentaires avec une capacité de stockage qui dépasse toute espérance. Culinaire, bien sûr. Ah oui, je farmerai le truc ici, mais ça les dérange pas parce que du coup je ferai le tour. Ouais. Faut que j'ai poussé le vif jusque là. On a déjà la fontaine, on a déjà tout. Hein, je crois. Ouais, on a déjà tout normalement. Mais, ouais, on va se rajouter un petit plaisir ou deux. On peut se rajouter ça comme ça. Donc on a d'autres tables dont on se fiche pas mal comment elles sont placées. Non, je crois que c'est tout. Ah mais non, il y a toi aussi, le grain, on s'en fiche. Hop. La déco bien sûr, très importante. Très importante. Des saucisses. Les saucisses. C'est un peu le cœur du métier, quoi. La saucisse, quoi. La saucisse. La saucisse. C'est pas régulier du tout, mais c'est pas grave. La saucisse. La sainte saucisse. Plein de saucisses. Tac. Voilà. Voilà, il y a une cuisine. Table de luxe qui explose. Je sais même pas. Ah, on peut pas parce qu'il y a une incursion. Super. On va au moins du magicien.
formidable. Domestique, cuisinier, machin. Pas une juge pour magicien. Les mecs éclatés. Cette cuisine est un niveau de luxe impressionnant. On a même réussi à faire reculer la crasse. Ok, bon bah impeccable. Qu'est-ce que c'est ça? On a gagné un truc dans la salle de garde. Ah oui, les nouveaux gardes. Félicitations. Nous avons de nouveaux gardes. Et les nouveaux gardes sont les barbares, les fameux, ceux qu'on peut quasiment envoyer partout. Ouais, bah, je n'ai pas beaucoup plus de place. Hein. On va prendre deux barbares et ce sera très bien. En l'état, ce sera très bien. Deux barbares. Ouais, c'est largement suffisant. Sur ce, on peut agrandir. On peut agrandir la taverne. C'est tout ce qui nous intéresse en vrai, c'est cette taverne. Cette taverne qui produit tout pour nous. Sans elle, on n'est rien. Alors là, on prend dessus. Il y a zéro personne en attente. Il y a 111 places occupées. On peut encore rajouter des tonneaux. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire. Il dit, eh les gars, vous pouvez rajouter des tonneaux. Écoute, moi, à n'importe quel moment, je me dis, je peux rajouter des tonneaux. Je rajoute des tonneaux. Nous amène donc au constat rédhibitoire de cette portée de trou. Je suis obligé de garder les deux portes. Ouais, c'est parce qu'elles t'appartiennent en termes d'offre. Ah, je suis obligé de garder les deux portes. Non, ça. Ça c'est rigolo ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait fallu que je garde cette porte là. Tester autrement. On va faire une porte ici. Ça va faire sauter l'autre truc de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je peux pas parce que du coup, je pourrais foutre avec de l'autre côté et virer ça. Si je garde une porte l'un sur l'autre, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de d'autant de portes. Elles sont supprimables. Moi, je peux... Celle-là, je peux la virer. Ah, maintenant, je peux plus la virer. Ah, bah super. Maintenant, je peux plus la virer. Bah super. Bon, bah, reste comme ça. Non. Bon, bah, si tu veux pas, hein. Si tu veux pas, je vais pas te forcer. Hein. Je respecte, voilà. J'ai pas le choix de toute façon. Donc, et ça c'est que pour les vampires et les orques. Des vampires, des barbares, des droïdes, des orques qui lourdent du pognon. Bah, à première vue, des orques c'est des clients de luxe. Donc, faisons venir du client de luxe. Bah, ça me va. En plus ils sont nombreux. Donc ça c'est la, ça, c'est la picole du peuple. Des humains, des elfes. Ça c'est 18, ça fait venir tout le monde et n'importe qui. Tous les assoiffés du monde. C'est bon. En tonal. Je vais me glisser un peu plus en tonal. Hop. Je vais pas bloquer le passage. Un truc à 12 balles. Oh, 12 balles la pignale. Allez, 1,20, 12 balles. Ça me fait plaisir. Puis
permet de quoi faire venir de l'elfe et tout. Ce qui concerne des désagréments et des aigreurs d'estomac aux nains, mais bon. Il faudra faire avec. Au picolé. Mettez-vous des cuites. La cuite, c'est bon pour ce que vous avez. Hein. On ne sait pas ce que c'est, mais. Faut vous la coller. J'ai pas encore ce truc. Ah, il me faut 3 pharmagiciens pour débloquer ce truc. Alors, ça, c'est rigolo drôle. Tout de suite 3 phares magiciens là. 1, 2. Maître, la Confédération syndicale des sbires vous a décerné son grand prix du meilleur patron de donjon maléfique. Ah, qu'il est bon de savoir que mon génie malveillant est apprécié par les sbires qui œuvrent en silence pour ma gloire. Quand je pense à tout l'or qu'il nous coûte, et que d'ingratitude souvent. Certes, votre syndicale grandeur, la satisfaction de leurs besoins a coûté cher. Mais d'un autre côté, leur efficacité a grimpé en flèche. Nous sommes connus comme une structure progressiste et expérimentale. Parfait! Mais faisons préparer quelques instruments de torture pour fêter cela. On m'appelle? Oui, maintenant que j'ai touché mon prix, fini la fête! Nous allons pouvoir remettre un tour de vis sur les sbires. Il ne faudrait pas qu'on pense que j'encourage le syndicalisme. Reçu fort et clair, on va mettre au pain ces cloportes. On est bien d'accord que la convention collective des gardes sera préservée. Et des assassins. Oui, oui, allez, et éborgnez-moi les plus revendicatifs. Ils vont comprendre la nature de mon sens inné du management. Voilà, ça c'est la victoire, Zangdar le Bon. Voilà, la plus facile à faire évidemment. Du coup j'ai gagné un portrait. Voilà, on peut mettre un joli portrait de Zangdar. On va aller se mettre un très probablement. Moi ce que je voulais c'était avoir suffisamment assez de pharmagiciens pour pouvoir voilà, débloquer ce machin. C'est un truc qui amuse les elfes, tu peux. Ils viennent, ils se prennent des trucs dans la tronche et les éclatent. Voilà. Et vous allez faire ça dans un coin en tendant vos fesses aux autres. C'est fou. C'est des gens, hein, comme c'est des clients comme les autres, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, j'essaye de m'en convaincre, en fait, comme moi. Il nous manque encore des tonneaux de picole, hein. Il y a des tonneaux de picole qu'on n'a pas. Hein. Voilà. Pose-moi ça ici, c'est très joli, c'est du plus bel effet. Tiens, ici, on peut rentrer un autre tonneau de la picole. Alors, ça, c'est 9 balles. Hein. 9 balles, ça me fait souffrir. Hein. Mets-moi du 12. Hein. Mets-moi du 12, quand même, mon gars. Mets-moi un peu de 12. Un peu de 12 pour recoller au plancher. Oh là, on va leur mettre une petite déco. Tiens, un hamster. Tout le monde aime les hamsters. Voilà. Voilà. Et là, un pullet. Tout le monde aime les pullets. Let's go. Mettez des pullets. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien. Hein. J'aimerais bien, moi, avoir la victoire du sorcier. Évidemment. La salle de pause a gagné quelque chose. J'ai looté un truc en salle de pause. Ah bah oui, du coup, oui, j'ai assez de pharmagiciens pour... Effectivement. Okay, nous avons pu le souligner, effectivement, le pullen. Voilà, incroyable. C'est beau, c'est bio, c'est magnifique. Je vais en mettre un cousin, peut-être. Non. Non, tout le monde n'a pas la fesse fragile. Très bien. Faites comme ça. Cette salle est cool. Les gens ont dit ok. Cette salle est comment? Elle est cool. Cette salle est cool. Ok. Cette taverne cartonne ou pas? Ça marche quoi. En porte, ça coûte 3600 boules quand même. Hein, à faire tourner. Stock et vente, on est à fond sur plein de choses. On n'en vend pas du tout. Faut dire que le prix est pas fou, mais bon, on va en vendre 1000 quand même parce que vous faites pitié. Les outils, maintenant on va vendre à 100% jusqu'à qu'on ait à nouveau un besoin. Et les infos, il est peut-être temps de retourner à la chasse. Ah, très bien. Des gardes des espions. Ça c'est facile, ça c'est cadeau. 1, 2. On est déjà au max. On va aller chercher. Ouais, oh putain, il y a du garde. Hein.
Il y a du garde, il y a du garde, il y a du garde. Est-ce qu'on peut avoir de l'espion? Est-ce qu'on peut avoir de barbares d'ailleurs? Je vois pas de barbares là dans l'eau. J'ai pas vu de rouge. Ah oui, j'ai dû vendre les trucs de mes barbares. Ok, bon bah je vais prendre mes deux assassins de moins bonne qualité et les envoyer aux turbes. Des artisans et des banquiers. Alors, on va commencer par mettre des moustachus. Trois moustachus. Suivi de artisans et banquiers. Est-ce que des pas trop bons, ça fait le taf? Ah, c'est un peu chaud quand même. Hop, oh, parfait. Ok. Toi, domestique cuisinier, nain gobelin. Alors, bougez pas. Un nain, un gobelin. Ça ressemble vraiment à une blague. Est-ce qu'on a des cuisiniers qui sont pas full level? Un cuisinier elf. Allez, du coup, ça fait avec un balayeur elf. Ah, c'est un peu triste presque. Cette blague n'est pas assez drôle. Et je vais vous mettre un magicien, bien sûr. Un moustachu, hein, comme on dit dans le milieu, bien sûr. Voilà. Ouais, cette vanne a 100% de chance d'échouer, je pense. Domestique cuisinier orc. Ah, il nous faut juste des cuistots orc. Moi, j'ai entendu, il nous faut des cuistots orc. 1, 2, voilà. J'en mets 3, c'est trop facile. Tout désélectionné, des moustachus, voilà. Hop, de niveau 5, c'est parti. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pillage elfique, des gardes elfes. Alors, des gardes elfes. Gardes elfes. De niveau 8. C'est quoi, je vais envoyer les 4 pour qu'ils montent de niveau. Hop. Avec un moustachu, bien sûr. Et voilà. Des cultistes, des... Ah, formidable. Formidable. Deux moustachus comme ça. Trouve-moi des trucs dans ce goulag. Un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Impeccable. Ça part, ça tourne, c'est magnifique. Bon, j'ai pris toutes les missions bas de gamme. Incursion en approche. On sait pas par où ils arrivent. On sait pas encore. Mais ils arriveront. Je reconnais ça, c'est une place pour mettre de la déco, ça. Je peux rajouter un tonneau là, faites pas jour. Petit tonneau là. Ah, et si, il y avait la place, j'ai vu. J'ai vu la place. Vas-y, une petite piquette. Ça passe, ça. Ah, ça passera jamais. Trop con. Petite piquette à 12 balles là. 12 ballons là. 1, 2, 3. Ah, tu. Si, ça rentre. Attends. Voilà, ça passe crème. Attendez, je peux même nous ajouter un petit hamster. Juste là, du plus bel effet. Incroyable, n'est-ce pas? Je crois que je peux même nous ajouter. Attendez, bougez pas. Un petit poulet. Juste là. Et là, il se passe une base. Et là, c'est incroyable. La taverne, c'est la seule pièce qui peut prendre tout l'étage et tu te dis, elle est pas assez grande. C'est vraiment là. L'exception, quoi. Alors moi, j'ai fait l'effort de vouloir garder la cuisine au rez-de-chaussée, une salle de garde, machin, blabla. Mais j'aurais pu tout dynamiter pour mettre juste une méga taverne. Genre, le rez-de-chaussée n'est qu'une méga taverne. Ça, c'est possible. Hein. Ah, ça tourne encore. Ça, des artisans, des banquiers, des nains et des gobelins. Ça, c'est quand même pratique. Ça a l'air d'être une vraie mission. Je vais mettre déjà deux mecs solides sur le coup. Deux mecs un peu moins solides sur le coup. Et on va compléter avec
Un banquier. Un banquier pas trop solide sur les appuis, mais on n'a pas trop besoin non plus qu'il soit fou comme banquier, quoi. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire monter ces banquiers, si ce n'est de les payer plus cher, mais... Peut-être qu'ils distribuent la paye plus vite. Peut-être qu'ils veulent moins de pognon, on sait pas. Peut-être... C'est peut-être encore mieux que ça. Les mecs deviennent sympas. il nous faut des cuisiniers orques pour cette mission. Ça, c'est forcément une mission victorieuse. Hein. Je le dis tout net. Hein. Bam. 3 cuistots orques. Plus aucun problème. Des moustachus. 1, 2, ça part. Des domestiques et des cuisiniers. Ça marche. Domestiques, cuisiniers, hop. Un cuisinier. Tac, tac. 86%. Je pense qu'on peut compléter avec deux moustachus. Ils ont des bons niveaux. Ouais, ça part. Ensuite ici. Des gardes et des espions. À moi la garde. On va envoyer un garde gobelin. C'est efficace. On a peut-être de l'espion à monter un peu en niveau. Ah, et un garde elfe noir. Très bien. Je pense qu'on peut même t'enlever pour mettre juste un garde qui a encore besoin de progresser en niveau. Et deux moustachus. Et deux moustachus. Voilà. Ah, on force le leveling. Hein. Le leveling est en force. Garde, espion, nain, gobelin. Oh, fait mal, hein. Fait mal à la tête cette blague. Hein. Garde, gobelin. Et nain. Ça sent pas bon comme blague. C'est vraiment. Elle fouette un peu cette blague. On a des gobelins de plus bas. Ouais. 2-3 gobelins de niveau. Ouais, ça va faire. 3 gobelins. Ou alors on fait un peu de mixité sociale. Je mets un nain. Ouais, ça me paraît très bien. Parce qu'ils vont se taper sur la gueule exceptionnellement et mettre des pharmagiciens avec. C'est pour le lore, c'est pour le lore. Et un moustache très nul. Bon, histoire qu'il apprenne la violence. Cultiste, nécromancien, pharmagicien, ça c'est beau ça. Il faudrait du cultiste aussi, s'il vous plaît. Tout ce qui traîne, nécro. Tout ce que vous avez qui traîne dans les fonds de tiroir, allez-y, balancez. Pharmagicien. Un moustache niveau 2. Non, peut-être un moustache un peu plus costaud. Ouais, un moustache un peu plus costaud, ça part. Ok, c'est parti. Pfiou. Ok. Ça bosse dur. Qui est parti? Un artisan. Besoin non satisfait. Ah. Ils sont pas contents les artisans? Ah là 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 là. Cet endroit est compliqué. Cet endroit est un peu technique. Cet endroit exprime des instants de souffrance. Je pense qu'il faut donner, à nos artisans une chance méritoire, méridionale, méritante. Ah, ils ont déjà masse trucs ici. Ouais ouais, on a déjà placé du mannequin un peu partout. On peut mettre des loupiottes, des couloirs, genre comme ça. Ça leur apportera des choses, peut-être un peu de bonheur, de plaisir dans leur vie triste et morte. Hop. Par là. Hop, je sais pas si je l'ai déjà mise. Tac, tac. Vous allez passer, hein. Vous allez prendre un niveau, je vous préviens. Vous allez prendre la gloire qui est à prendre. Vous aurez votre moment de gloire. Oui. On peut mettre ça ici aussi. Ça fera très très joli. C'est pas trop le problème. Et là, on a une petite place. On a une mini place. On a une placinette, une plaçounette. On pourrait accrocher un petit poster un peu métal. Quand même, c'est des mécanos, tu vois. Ils aiment un peu le métal. Voilà, un petit dragon. Là. Bam. Ça claque un peu. Après, c'est des nains. Alors, c'est des nains. Donc, vu que c'est des nains.
Ah, ils veulent des trucs de nain, quoi. Ah, bah, des boucliers. Épée bouclier, hein, ça vous fait kiffer, hein, ça. Tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Instantanément. Est-ce qu'on peut... Ah. Et je vous torture, je vous mets un petit tableau d'elfe. Ça, c'est vraiment pour... juste pour vous faire chier. C'est la bannière des barbares. La bannière gloussante. Regarde s'il y a un truc un peu qui leur irait bien. Oh, une bannière sans nom, c'est nul. C'est un peu éclatax. Il y a d'autres types de bannières. Alors voilà, celle-là, elle a l'air incroyable. À débloquer dans le marché. Je veux bien aller faire un tour au marché pour vous la trouver. Je dis pas. Hein. Je dis pas. Là, il y a peut-être un besoin. Par contre, non, bah, des épées bouclier, des vraies torches, quoi. Des vraies torches plus connues, quoi. Ouais, torche qui touche des flammes, quoi. Ça a l'air d'être des victoires pour l'instant. J'ai gagné une colonne, super. Les mecs ont réussi à me ramener une colonne, quoi. Ça, c'est un gros style. Et on a oublié, il faut aller au marché pour acheter des trucs. Oh, il y a des nounours qui nous sont vendus. Oh, bah voilà. Oh, il suffisait de demander la shop. Elle est arrivée, elle nous a été vendue direct. Oh, le jeu m'a troll. C'est le seul truc que je peux pas vendre. Non. Attendez, c'est une blague. Je peux pas le vendre. En passant par là. Non, je peux pas le vendre. T'es obligé de garder ce drapeau elfique nul. T'es obligé de garder cette merde. Non. Non, la dépression est maximale. Les nains ont envie de se foutre en l'air, c'est sûr. Je vais perdre tous mes nains. C'est pas possible autrement. Au secours. Ah, ça c'est une taverne. C'est une taverne. Bon, ça c'est une manière. Moi j'ai envie de la mettre là. Putain, faut que je vire cette merde. Je peux pas la virer. C'est peut-être à cause de l'assaut. On va dire que c'est l'assaut. C'est l'assaut qui m'empêche de le vendre. C'est le seul élément. Ah non, tous les éléments sur le mur, je peux pas les vendre. Quoi? Ça, c'est une merde. Wouah! En secret, les mecs, ils ont comploté pour pas que je puisse vendre l'elfe. En fait, ils ont un kiff! Non! À débloquer en réussissant un raid. Jamais eu non plus. Tac. Je vais la mettre. Au-dessus de la forge, au-dessus de la forge. Il y a un respect. Il y a un respect quand même. Ah, du coup, ça a tout fermé. Okay. Ça a fermé la déco. C'est la ferme partout, c'est dommage. C'est dommage que ça la réouvre pas. Un pot de fleurs minable. Ouais. Une colonne pourrie. Ouais. Une statue moche. Ouais. Et c'est tout. C'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a gagné? Dortoir et salle de garde. Il se passe des choses dans les dortoirs et les salles de garde. C'est quoi le problème? Bon, déjà, est-ce qu'on peut se prêter un barbare ou... Ah, on peut pas parce que si. Ah, je vais fermer ici. Ah, je voulais dire foutre, bien sûr. Oh, ça merde la paupiette. Hein. Ok. Vous avez votre tableau, vous avez votre tableau. Vous avez quoi d'autre? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on va trouver dans la salle de garde à l'eau? C'est quoi que j'ai raté. Salle de garde, je suis embêté parce que du coup je peux pas avoir de barbare. Pour avoir un barbare, il faut que j'agrandisse cette pièce. C'est insupportable. Je vais agrandir la pièce du renseignement jusqu'ici. Mettre une porte là. Je vais mettre le tableau de votre seigneur et maître aux Andar, bien sûr. Ça va de soi. Et je vais vous rajouter des casiers. 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai rajouté 16. Donc je peux en virer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais virer déjà tous ceux de cet étage. Et à la place, on pourra mettre des barbares. Les barbares, c'est utile. Ça barre et barre. Et on peut même aller au rez-de-chaussée et virer encore une boîte ou deux. Je vous dirai combien, 13 je vais vous virer. Sur les 4, je verrai si je suis obligé d'en poser une. Hop, c'est ici que je vais le savoir. Stock et vente, on est au max du savoir. Je pourrais bien virer tout ça. Je sais pas, je crois qu'on a pas beaucoup de gardes de gobelins. Faut se faire quelques gobelins. Parce que les nains, c'est chiant, mais c'est fort. C'est fortement chiant. Mais... Ok, et il y a un truc pour le dortoir. Tac, tac, tac. Tac. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'a-t-on débloqué pour un dortoir? Ah, décoration spécifique, c'est ici. Ah. Ah. Est-ce que c'était pas la décoration qu'on attendait? Décoration du devis, quelque part. Le vampire n'a pas le droit à son nom. Si, quand même. Vraiment, même le vampire a le droit à son nom. On est dans un monde qui est assez méchant comme ça pour pas priver les vampires de leur nom. Ah ouais, non, mais là, du coup, des armes. Vous êtes désarmé face au nounours. Que pouvez-vous faire? Veulent des nounours. Les ogres aussi ont droit à l'amour, enfin ogre, troll, je sais plus exactement c'est lequel. Ah, l'un des deux. Ok, impeccable. Récupérer des missions pour sbire, cuisinier, orc. Ah, excellent. Bah, hop, pas besoin. 1, 2. Bon, allez, 3. Et du coup, on peut aller se chercher des moustachus. Ça les fait monter de niveau. Hein. C'est vraiment en train de les pousser. Hein. C'est les farms dures. Du garde et du vampire. Alors. Garde. Est-ce que j'ai pas genre des gardes de niveau 9 qu'il faudrait passer un peu? Ouais. J'ai 3 gardes de niveau 9. Tu m'as demandé vampire. Donc je vais te prendre vampire. J'en ai un. Et je vais prendre un moustachu. Et un moustachu. Un petit niveau de moustachu. On n'a pas besoin d'un gros niveau de moustachu. Des espions. Des espions, on a ça. On va trouver ça. Est-ce qu'on a de l'espion qui n'est pas encore niveau 10? Oui. On en a encore 5. Et je vais mettre full espion parce que j'ai vraiment un espion de niveau 3. Tant pis, ce sera full espion. Ça c'est beau, ça c'est la mission qu'on aime bien sûr. C'est la mission des magiciens. S'il vous plaît. Tac, tac. Tac, into, tac, into. J'ai tout mis, hein, je crois. J'ai mis de tout. Et ce qui nous intéresse, bah, c'est monter des moustachus. Donc let's go. Montons du moustachu. Des espions, tout simplement. Et puis des moustachus. Hop là. 1, 2, 3. 2, 5. Hop là. C'est pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh oui, sorcier, cultiste et tout. Bah, formidable. Du moustachu. Moustachu, mais pas que là. Il faut prendre quand même les meilleurs niveaux là.
Il n'y a pas de meilleur niveau. On va tenter la mixité sociale à 70%. 40% de chance de mortalité. Force et honneur. Domestique cuisinier, je m'en cogne. Des cultistes, des machins. Oh là 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 là. Oh, la difficulté est beaucoup trop élevée. Vu les clampins qu'on a, ça passera pas. Je vais envoyer les espions faire un tour. J'en ai quelques-uns encore. Hop. Hop. 1, 2, 3. Avec un moustachu ou deux. Un moustachu. Et trouve-moi qu'est-ce qu'il reste là. Il reste plus que toi. J'ai tout envoyé. Non, c'est sérieux ça? J'ai envoyé tout le monde là? Ah ouais, non, mais du coup j'ai mis vampire, forcément il reste que ça. Ah ouais, ok. Tout désélectionné, validé. Est-ce qu'il reste des gens nuls qu'on pourrait monter? Des banquiers éclatés. Ah tiens, des pères fouettards. Tiens, vas-y, j'en prends. Des bourreaux. Let's go le bourreau. Let's go. Je pense que je vais vraiment agrandir cette bibliothèque. Depuis le début, j'hésite parce que je me dis ouais, mais je suis au max, j'ai pas besoin de plus, mais à débloquer dans le marché en réussissant un raid. Allez, on va pousser les limites acceptables. Ah, du coup, ça a supprimé les tableaux. C'est trop triste. Excusez-moi, je vais chercher les tableaux. Je remets les deux tableaux de la création. Je crois que c'était comme ça. Ah non, il devait décaler un peu. Ah non, du coup j'ai perdu le truc. Bon, tant pis, du coup ce sera comme ça. Très bien. Ce sera comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est de nous rajouter des pupitres à bouquin turbo magique. Quand même quelques magiciens. Voilà, ça c'est notre objectif premier. Après on verra pour les décos, les machins. De toute façon faut aller au marché. Le marché, t'as refait le plein. J'achète. Oui, superbe les décos. Hein. Ah, incroyable. Le feu vraiment. Elles sont. Waouh, le feu. Elfique en plus. Oh, un truc d'elfe. Oh, plante trop bien, merci les gars. Vraiment, c'était exactement ce qu'on voulait. Un grimoire du fisc. Oula, lui il est méchant. Lui, je pense que ça va devenir un peu le pire de nos magiciens. Un traité de debuff. Ok, let's go. Livre de tulle. Ok. Beaucoup de livres pour satanistes en herbe. Mais j'en ai pas. Ok. Là par contre, j'ai exactement la quantité de bouquins. J'en ai peut-être même pas assez d'ailleurs. Ok. Ah, ils ont morflé! Défaite pitoyable! Narbin n'était pas à la hauteur. Ils ont fait casser les dents! Casser les dents! La shop de Tropico. Waouh! Faut juste des espions et des barbares. Et des vampires. Des espions. Parce que j'en ai récupéré quelques-uns. Et je vais leur mettre un barbare. Parce que normalement j'en ai. Ouais, et un barbare. C'est clair. Ça c'est parti. Artisan, banquier, barbare, vampire. J'ai un barbare. Artisan, banquier. Je vais en prendre un ou deux en herbe à la limite, ça m'arrangerait. Voilà. Ça me paraît chaud cette histoire. Vampire, j'en ai un qui est revenu ou pas? Non, pas revenu encore. Du coup, on va remettre artisan et banquier, je pense. Bon, on va mettre deux bons gars. Deux gars sûrs. Ça a l'air d'être des vraies missions. Hop, c'est signé. Ah, un sbire a été fumé. Comme un solo. A-t-on précisé. On va préciser dans l'oreille. Comme un solo.
traité de soins, non. Je pense pas qu'on va aller plus loin. C'est les livres, c'est le livre de sort qui nous intéresse. Pas besoin de beaucoup plus. Je suis occupé. Puis-je vous aider? Je suis motivé, je ne sais plus, faut savoir. Ils sont pas très contents. Ils ont beaucoup d'exigences. Ça exige ici. C'est pas le même niveau de sympathie que les autres. Il peut en avoir aussi. Normalement, vous avez largement eu le temps de vous reposer. Je vous renvoie au cac-pipe. Sorcier cultiste. Ah, bah parfait. Voilà, on fait comme si c'est la mission qu'il nous faut, ça. On a récupéré assez de moustachus. Voilà, voilà. Prends-moi du moustachu. Prends-moi du débile, là. Voilà. Impeccable. C'est de la mission de l'enseigneur d'espion. Espion. On verra après. Moi, je veux juste voir s'il n'y a pas encore un autre. Bon, il n'y en a pas d'autre. Très bien. Domestique, elfe et cuisinier elfe, tant qu'à faire. Ah, on va faire ça. Hop, 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 hop. Niveau 8, niveau 7. C'est un peu léger. Niveau 6. C'est un peu léger. Je vais mettre un troll. Parce qu'ils m'ont demandé un troll. Ouais, mais un troll c'est pas au petit en vrai. Moustachu. Des moustachus 1 et puis 2. Puis ça fera le taf. Les moustachus niveau 6, ça dépanne, hein. Ici. Alors ici c'est la mauvaise blague, hein. Banquier, artisan, orc, gobelin. Ah, artisan gobelin. On peut tenter la combo intéressante de l'artisan gobelin. Et le problème c'est qu'ils sont pas nombreux puisqu'ils passent leur temps à démissionner, ces gros cons. Banquier, ils sont pas fous mais banquiers non plus, hein. Orc et troll. Ouais. On va essayer de sortir des moustachus, hein. On va essayer de compléter avec du moustache rose, hein. Allez. Attends. Il y a moyen de faire monter le taux de mortalité. Envoyer quelqu'un qui a vraiment pas de niveau. Domestique et cuisinier elf, encore une fois. Et ben. Ce sera de l'elfe. Hop. J'en vois un peu plus pour avoir du niveau. Un moustachu pour confirmer le niveau 100 et un petit nul pour abaisser le taux de mortalité. Ça c'est pas mal. Mission improbable d'espion. Voilà, il faut que des espions ça suffira. Du bon espion avec des gros niveaux là, voilà. Bien comme un sac. D'ailleurs, je vais envoyer. Est-ce que en fait j'ai besoin de vous envoyer tout ça alors que j'envoie 8. 9 et 8, on est à 100% et j'envoie juste un moustachu. Ah, un moustachu avec un bon niveau quand même pour réduire le taux de mortalité. On prend une mission à risque. On a gagné une chope. Lourd. Boum. On gagne des choses. Ici, on a une mission nulle qui est apparue de garde et d'espion. Oh, garde et espion. Le problème c'est que ça va faire un milliard de types. On va commencer par la fin, on va prendre les deux derniers espions, on va prendre un garde ou deux de bas niveau. Ah, on est bon, hein. On est très très bon même. Et un espion de niveau 8. Bon, je fais pas monter mes magiciens mais du coup j'en profite pour passer les chasses au trésor. Artisan et banquier nain, ça part. Et gobelins. Tac, 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 tac. Allez hop. Artisan nain. Putain, j'ai que ça. 100%. Allez, est-ce que je peux vous glisser un petit moustachu avec un hipster. Un hipster de la mort, ça me fait plaisir. Un hipster à moitié mort. Espion, je crois que j'ai plus rien. Je pense que j'ai un peu tout passé, les gars. Si, j'ai du stock. Ah oui, putain, j'ai les champions poids lourds. Les champions poids lourds. Ok, juste des espions. Je vais mettre des moustachus.
Ça devrait passer. Que des espions avec des moustachus. J'ai plus rien. Au secours, j'ai plus rien. C'est pour ça 12 espions, j'en ai pas assez quoi. Mettez-moi autre chose, genre des elfes noirs tout court. Genre, je suis dark, je suis elfe dark. Ouais. Ah oui, tu les as déjà mis. Je suis darkiste. Y a quand même une grosse chance que ça tourne mal. Voilà. Surtout, on ne produit plus du tout d'informations. Là, on a troussé les fonds de caisse, il n'y a plus rien. Il va peut-être falloir arrêter cet épisode hein, qui commence à être beaucoup trop long. Ouais. Hein. Mais ça serait un peu dommage de refaire un épisode juste pour des grattages de niveau. Mais bon, parce qu'on va être obligé de le faire, je crois. Et ce sera le dernier épisode du Maître du Donjon. Tac. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le Maître du Donjon. Et je vous dis à la prochaine!